Je pense que c'est le chatbot, ça reste aujourd'hui quand même une sorte de phénomène de mode. Finalement, chacune des marques aujourd'hui lance son chatbot, etc. Et on oublie finalement de se poser la question sur vraiment l'utilité ou pas d'un chatbot. Et c'est là, en sens où les recherches utilisateurs ont beaucoup de sens et ont beaucoup d'intérêt pour se poser les bonnes questions. Donc, vraiment, un conseil, ce serait de dire avant d'implémenter un chatbot, juste parce que c'est un phénomène de mode et que tout le monde en a un, se poser la bonne question sur quel chatbot, pour quel usage, pour quel service, quel degré de chatbot on peut apporter. Est-ce que c'est du premier niveau? Est-ce que c'est du second niveau? L'intelligence artificielle, on est à ses prémices, hein, il faut pas l'oublier. Hein. Les chatbots aujourd'hui, c'est pas non plus la panacée, ils peuvent pas deviner tous les besoins du client. Et finalement, dans une expérience client, quelle qu'elle soit, l'interaction va être déterminante. Donc, j'aime bien aussi des modèles hybrides, c'est des modèles que j'ai vu émerger, où finalement on va combiner du chatbot et où les questions commencent à se complexifier. On va tout de suite passer sur du chat humain, et là, ça apporte vraiment beaucoup de valeur. Donc, je pense que c'est une problématique qui est peut-être peu abordée aujourd'hui.